Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le premier gameplay de la chaîne sur Outlast. Préparez les couches culottes, préparez les mouchoirs, on va en avoir besoin. Allez, c'est parti. Donc je fais en normal, hein, tranquillou. Alors, Outlast contient des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique d'ordre sexuel et du langage grossier. Bon amusement. Vous incarnez Miles Upshur, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier, vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant, alors pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. D'accord, ça annonce la couleur. Donc, pas possibilité de se battre, donc de se défendre. Seul moyen de défense, prendre la poupe d'escampette. Allez, c'est parti. On va passer un petit peu le son du jeu. Volume, on va mettre. Tac. Voilà. Je vais contrôle, tout est ok. Ouais, c'est bon. Ça marche. Allez. Il a pas froid aux yeux, le mec. Hein. Voilà le manoir, ça y est. Alors, vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff Psychiatric Systems à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment. Mais, franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Ok. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. D'accord, ok. J'imagine que c'est moi qui vais devoir dévoiler ça au grand public. Eh ben c'est parti alors. Bon, je vous annonce, j'ai une petite flippette concernant les trucs horreur. Mais bon, j'ai décidé de me faire un premier gameplay là-dessus, je pense que ça va être drôle. Voilà. On va bien voir, de toute façon. Bon, j'ai jamais joué au jeu, j'ai vu quelques gameplays dessus, etc. Mais j'ai jamais joué au jeu. Il était temps que je m'y mette. Ça fait toujours moins peur de le faire en gameplay plutôt que tout seul et sans commentaire. Enquêter sur l'asile de Mount Massive. Ok. Ah d'accord, je le ferme carrément. Bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici derrière? Non. Dossier là peut-être. Je peux courir, je crois. Ouais. Alors, pour ouvrir rapidement une porte, appuie sur le bouton là. Pour l'ouvrir lentement, appuie longuement. Rapidement, ça va être. Oh, ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va là ? Oui. J'ai fait une taille là-dedans. Bon, ça va fermer. Bon.
Ah, là où il y a... Oh là là, les musiques comme ça déjà moi. J'aime pas trop. Donc je vais essayer d'économiser quand même. Peut-être que j'aurais pas dû voir comme ça. Déjà il y a du sang, je sais pas ce que c'est là-bas. Oh là là. Oh 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 oh. Je suis pas trop là-dedans moi. Ah c'est là plutôt, parce que je me disais. D'accord. Bon, on peut éteindre comme ça. Bon, y'a rien. Oh, 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 oh. Faut pas de trucs comme ça parce que... Oh là, j'aime pas ces portes. Oh, ça fait... Je commence à avoir les mêmes, moi, tu vous avertis. Il risque d'avoir une petite coupure d'électricité, je crois. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Des piles, ah oui, oui, oui. Ok. Bon. Ok. Ah, déjà il y avait quelqu'un là. Récemment. Wow. Qu'est-ce que c'est ça? C'est aussi. J. Médecin suivi d'Carl Austin. Statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induits. Activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal niveau 4. Diagnostic. La spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Note de l'entrevue. Billy a demandé où en était le procès intenté par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Traeger. Remarque, le seul Traeger figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Traeger et un cadre de MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrique analytique. Ok. J'ai pas compris grand chose mais visiblement, il y aurait une expérience qui... dont les résultats seraient un peu inquiétants. D'après ce que j'ai trouvé. Oh, 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 oh. Oh, déjà les bruits comme ça, moi. Je ferme, je ferme. Ferme, ferme. Oh là là là. J'aime pas du tout là. Je peux sauter là. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ce délire. Oh, oh, qu'est-ce qu'il fait lui? J'aime pas trop, je vous avertis, je crois que je vais... Je fais une petite crise là. Oh là là là, j'aime pas, je vous jure j'aime pas. Je vous ai dit, je vous ai dit que je suis flippette. Oh là 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 là, c'est quoi ces trucs? Oh, oh putain. Oh là là, oh là là. Oh, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais mec? They killed us. They got out. Ah oui, je vais peut-être mettre des... J'ai flippé. Y'a pas les sous-titres là? Ouais. The very... You can't fight them. Oh, j'espère que je vous ai pas fait peur parce que j'ai lâché un cri quoi. Ah, je vous ai dit que j'étais très sensible à ce moment.
fuck out of this terrible place. Bon, je me casse d'ici, Il a dit casse-toi, je me casse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là 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 là. À l'aide, quelqu'un. Faut pas m'aider? Et par où je sors là? Oh là 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 là, c'est quoi ce délire? Ah, je peux sortir par là. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À l'aide! Oh, je flippe. Oh, je flippe ma race. Little Faith! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là 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 là, c'est quoi ce délire? And who are you then? Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh putain, c'est stressant. Déjà, je suis pas bien là. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Qu'est-ce you have a calling. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là. J'étais pas prêt pour ça. J'aurais dû vous faire un petit gameplay sur Battlefield pour commencer. Parce que là. Mais bon, je vais aller jusqu'au bout. Je tiens ma promesse. Fuis l'asile, accéder au... Ah ouais, d'accord. Ok. Accéder au local de sécurité. D'accord, donc là, carrément, ils me disent de fuir. Il y a plus d'enquête. Ouais, par contre, ça saigne un peu, là. Bon. Ok. Il est mort. Ah. Ça, je prends par contre. Intervention nanana. Le service de sécurité et confinement de Murkoff, SSCM, a fait part au conseil d'administration de ses inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent de contamination de l'environnement. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention du SSCM et justifier l'émission de cet ordre de mission. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ses agents. En acceptant le présent document, vous et vos parents proches survivants renoncez à tout recours à l'encontre de la Murkoff Corporation ou de ses filiales au titre des actions du SSCM ou des circonstances ayant requis son intervention, même en cas de responsabilité avec ou sans faute. Ok, donc il s'est passé un truc de fou. Par contre, il y a un truc que j'ai pas lu tout à l'heure, il me semble. Ah ouais, c'est... non. Document, je crois. Non, c'est des notes. Ah voilà. Quand j'étais dans le truc noir où il y avait un mec empalé là. Je suis à l'intérieur, il y a des corps partout, du sang, des traces de brûlures, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir, des scientifiques de Murkoff pendus au plafond. Sur leur badge, on peut lire Murkoff Système de recherche avancée. Murkoff a l'habitude de tirer profit de prétendues actions caritatives et ça ne date pas d'hier. Des milliards engrangés au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du blé avec un bâtiment rempli de dingues? Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une broche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp. Si seulement il me l'avait dit quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Super. Ah, je peux sauvegarder. Bon, ça c'est bien par contre. Au cas où j'ai une petite crise, je sauvegarde avant quoi. Ok, bon. Écoutez, donc ils m'ont dit d'accéder au local de sécurité, sauf que j'ai vraiment aucune idée d'où il peut se trouver. Ouais, non, je vais pas aller là, je crois pas, j'espère pas que c'est là. Écoutez, je vais aller dans le couloir là. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut lui? Je vous jure, je crois que je vais pas assumer là. Bon, déjà, il y a des morts partout, il y a des étripés, de tout un tas de choses. Là. Ah, des piles, par contre, ça se prend. Qui c'est qui a fermé là? Ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. Oh là là, ça sent pas bon. Non, je vais pas dans les toilettes, moi. Fuck. Non. Je vais pas aller. Bon, vas-y, allez. Qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Je vais faire jusqu'au bout, hein. Non. Oh là, d'accord, ok. Ok. Bon. Ah, il y a des traces de sang quand je marche et tout. J'aime pas ces couloirs, j'aime pas ces couloirs. Ah, local de sécurité. Oh oui. Ouais, il faut une carte. J'ai pas la carte, moi. Moi aussi, je vais la trouver, la carte, sur un mec, sûrement, non? Un mec qui est mort, non? Lui, par exemple, je sais pas. Pas une carte, mec? Pff, oh là là, je sens pas du tout l'embrouille, là. Déjà, il y a des corps partout, il y a du sang partout, c'est un truc de dingue. Vous avez pas une carte, mec? T'as pas une carte? Non? Bon. C'est pas une carte, ça? Non. Bon, la carte, il faut que je la trouve, par contre. Hein. Je me souviens pas de où elle est, hein, dans les gameplays. J'ai pas fait gaffe. Oh, j'ai vu un... Non, c'est pas la porte. Bon. Peut-être derrière, alors. Bon, visiblement, il va peut-être falloir que j'aille dehors. Enfin, peut-être le mec, là. Pas dehors, mais dans les égouts, là, où l'espèce de truc que j'ai vu, je sais pas. Bon. Je vais aller en bas. Hein. Je crois que j'ai pas le choix. Hein. J'aime pas trop l'idée, mais bon. Oh là là, ça c'est le délire que j'aime pas. Ça c'est l'espèce de délire que j'aime. Ah bah oui. Ah, ça devait être la porte de dehors. Tout à l'heure, c'est pas vrai. Non, mais j'ai pas le choix, je crois qu'il faut que je continue tout droit. Hein. Ah, marche pas sur les trucs comme ça me fait flipper. Bon. C'est bizarre parce que le local est là, donc la carte elle devait être là. Je vois pas où elle peut être après. Qu'est-ce que c'est cet endroit là? Ah, elle doit être là. Alors. Messieurs, en l'attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise de la part de Murkoff Corporation. Les profits potentiels du projet Waller Rider demeurent extraordinairement élevés. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les preuves matérielles sont convenablement gérées. Le projet Waller Rider continue à présenter des dangers et de nouvelles pertes de cet ordre sont à prévoir. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. Les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM, mais une combinaison de sédation chimique et d'entrave physique s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle et des profits permanents. Respectueusement, Hélène Granet. Ok, bon, je n'en ai pas plus. Mais... Bon, apparemment, il faut une carte, mais là, je sais pas où elle est la carte, quoi. Bon, faut continuer, quoi, mais j'ai pas envie de continuer, quoi. 9h15. Bon. Ça pue. Ça... Oh là là, ça pue. Ici, ça pue la mort. C'est fermé. On n'a pas choisi pourquoi est-ce qu'on peut. Pourquoi est-ce qu'on peut. Pour le cas, on va nous tuer. C'est fermé. Non, je sais pas trop où aller là. Parce qu'il me demande une carte de sécurité, mais où est-ce qu'elle est la carte? Elle doit être là, c'est pas possible. J'ai regardé là. Ah, sympa. T'as pas une carte toi? Il y en a un qui va se lever et je vais encore flipper. Ah, c'est chiant, je suis bloqué sur la carte quoi. Où est-ce qu'elle peut être? Non, voilà. Bah, à tous les coups, c'est à l'accueil là. Enfin, l'espèce d'entrée là. Ah, mais il y a là aussi. Je suis pas allé là. Bon, c'est fermé. Il y a un mec déjà là-bas. Super. Oh, je suis pratiquement sûr que c'est lui qui a la carte quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que c'est lui. Là, franchement, je vois pas de carte. Je suis arrivé d'où déjà? Je me souviens plus très bien. Ah, là c'est ouvert. Hop, 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 hop. Ah, bah voilà, c'est ouvert ici.
morts, quoi, les mecs. Y a pas eu. Oh là là là. Bon, j'ai encore flippé, ça tourne là. Ah ouais. Bon, dessus. Statut de la thérapie, stagnation de l'activité du moteur morphogénique et environ 2000 ppm. Dépasser le niveau 3 du programme renommage serait risqué. La spirométrie a révélé une accumulation bronchique légère à moyenne, IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient. En raison des mutilations qu'il s'est infligées, Walker était entravé pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à ses éruptions à sa taille gigantesque. Ces éruptions dermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire MM. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Il semble avoir côtoyé dans son enfance des sphénodons, lézards dotés d'un œil pinéal. Il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chairs, en particulier autour du nez et de ses lèvres. Et des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Okay. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son infectation en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale, amplifiée par la thérapie, est axée sur les procédures de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement, aussi bien par des moyens physiques que chimiques. Super. Bon, déjà, apparemment, ils ont un patient qui a l'air assez dangereux. Bon, si je peux trouver la carte. Putain, j'aime pas quand il souffle comme ça. Pourquoi ? Pourquoi il me dit ça ? Pourquoi vous me dites ça, ouais ? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là là, 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 qu'est-ce que tu fais, mec? Oh là là, qu'est-ce que tu me fais, toi? Oh, bonjour. Bonjour, au revoir. Oh, oh là là. Pas le choix, c'est ça. On va passer en mode... En mode... Oh là là, c'est quoi ce délire? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce connerie? J'aime pas ça, je vous jure, j'aime pas ça. Ah, je suis sûr, elle est là, la truc. La carte. Oui! Je l'ai. Bon, ben, je vais ouvrir le local de sécurité. Et je pense qu'on va se quitter là. Les objets récupérés sont dans votre... Ah, ok, ouais. Je peux passer là, j'ai pas envie de passer là, moi. Ah là là, non. Là, ils vont me sauter dessus, c'est sûr, là. Putain. Déjà, regarde quoi? Vous regardez quoi, la télé, là? Il y a du sang et rien du tout, quoi. Ça va flipper. Oh, je vais courir. Ah oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête, lâche-moi, mec! Arrête, je t'ai rien fait, moi. Arrête! Oh là 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 là, on va courir, mec. Oh, faut pas me faire des trucs comme ça là. Non, t'as pas le droit. Oh non, faut pas faire ça. C'est pas bien, c'est interdit ça. C'est pas bien ça, mec. Pas peur aux gens comme ça. Bon, je vais. Je sais pas si je vais tenir là. Et encore, j'imagine que je suis qu'au début. Ah, j'aime pas ça, le coup d'œil derrière vous, je sais pas quoi, là. Ça, ça veut dire qu'il y a un truc. Vas-y, on se manie, puis c'est tout, ouais. Je referme. Referme, mec. Pour déverrouiller les portes principales. Vas-y. Donc, on fait ça, et puis on vous sauvegarde... deux minutes, je vais regarder pour respecter le temps de la vidéo. Donc j'ai prévu de faire des vidéos de 25 minutes à peu près. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais, mec? Redémarrer le couple. Il faut le contenir. Cachez-vous. Cachez-vous, ils m'ont dit. Pourquoi ils m'ont dit cachez-vous?
Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il va me trouver, il va me trouver. Il va me trouver lui. Oh, il se barre, il se barre. Oh, il se barre. Allez, casse-toi. Reste pas là, mec, casse-toi. Il s'est barré, quoi. Bon, les amis, je crois qu'on va se quitter là. On est à 25 minutes à peu près, donc je vous dis à la prochaine. Demain, je fais un gameplay sur Battlefield, donc je transite. Et après demain, je fais un gameplay sur... Outlast. Voilà. Allez, on se retrouve demain. Salut, ciao à tous.